Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est vrai que lorsque j'ai proposé le nom de notre invité de ce soir, ça a un peu surpris les organisateurs de se dire, mais effectivement, quel va être le lien entre Alain Baraton, qui est jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, et la communauté des gens qui sont en charge de la sécurité des systèmes d'information, d'entreprises, d'administration, de collectivités locales. Et en fait, si on conçoit la nature comme étant effectivement un monde naturellement et intrinsèquement interconnecté, celui qui, depuis plus d'une trentaine d'années, veille à la continuité, à l'harmonie, à la durabilité de ce qui est un joyau de l'art architectural, de l'histoire, mais également de l'histoire du jardin. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir d'accueillir sur cette scène Alain Baraton. Bonjour. Alors, j'évoquais la trentaine d'années, c'est pas un chiffre totalement anodin, parce que le nôtre, 39 ans avec Louis XIV. Alors, est-ce que cette relation, quand on est jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, déjà, on a ce sens de l'histoire d'être dans la continuité d'une dynastie. On se doit, je pense, de l'avoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Déjà très heureux et très impressionné d'être avec vous, d'autant plus que je vous écoutais parler il y a un instant d'informatique. Votre langage moderne, vous parlez souvent de mots anglais, moi qui parle le latin, vous voyez, je me sens un petit peu dépassé. Et quand on sait que même l'arrosage intégré pour moi est un petit peu trop compliqué et trop moderne, je suis quand même très inquiet par votre métier. C'est ce que je voulais déjà vous dire. Au niveau d'André Lenôtre, je me méfie beaucoup d'André Lenôtre. L'André Lenôtre est un homme qui a créé des merveilles, mais il n'est pas le concepteur, il n'est pas l'inventeur du jardin à la française. Toujours est-il qu'il a créé le parc de Versailles, il a aussi créé le jardin des Tuileries, il a créé Volvicomte bien évidemment, il en a créé bien plein d'autres. Et il est vrai que ma mission aujourd'hui, après plus de 40 ans, parce que malheureusement vos sources sont un peu... Je suis rentré en 76, donc depuis... Donc maintenant, j'évoquais la période déclarée. Voilà, oui, mais une éternité. Et donc c'est vrai que ma mission consiste, avec mes collaborateurs bien sûr, à transmettre aux générations futures l'œuvre d'André Lenôtre, à qui l'on doit tant de merveilles. Alors, mon propos n'est pas de m'inscrire dans la lignée d'André Lenôtre, je n'aurais pas cette prétention, mais j'espère aujourd'hui, par contre, comme vous le faites vous dans vos métiers, faire en sorte que mon activité, qui est celle de jardinier, le plus noble des métiers d'après Voltaire, puisse aujourd'hui devenir une activité moderne, créatrice d'emplois, et qui fasse rêver des milliers de jeunes, contrairement à ce que cette profession était il y a encore une trentaine d'années. Juste à titre anecdotique, quand j'ai débuté dans la profession, ma famille, toujours très aimable, me surnommait la bouse. Mais c'est affectueux. C'est affectueux. C'était tendre. C'est affectueux. Enfin, c'est tendre au début. Oui. Cette activité, c'est vrai qu'on parlait de Lenôtre, c'est important, parce que j'ai cru comprendre que Lenôtre n'était pas convaincu de la nécessité de transmettre. Transmettre l'information, transmettre la connaissance, le fait d'écrire, le fait d'avoir justement même des apprentis. Est-ce que, justement, comment est-ce qu'on fait pour, dans ce monde naturel, d'éléments biologiques, pour transmettre l'information? C'est un sujet qui nous concerne parce qu'on a la problématique d'avoir une information et faire en sorte qu'elle passe les années et peut-être les décennies. André Lenôtre ne transmettait rien, ou pratiquement rien. Il n'avait pas créé d'école, il n'a pas formé de jardinier. Il était uniquement préoccupé par sa famille. Tous ceux qui travaillaient à ses côtés étaient directement ses neveux, ses cousins ou ses oncles. Cet homme n'écrivait pas, on lui connaît très peu de documents. En un mot, il n'a pas laissé grand-chose. Simplement, il a eu la chance de créer un jardin pour le plus grand roi du monde, Louis XIV. Et ce jardin est resté, donc l'œuvre de Lenôtre est restée présente jusqu'à nous. Il y a un deuxième jardinier à Versailles dont on parle très trop peu, Jean-Baptiste de la Quintinée, créateur du potager du roi. Cet homme a créé une école, cet homme a créé des techniques nouvelles. Il a écrit, entre autres, cette manière merveilleuse de tailler les arbres fruitiers. Il est l'inventeur des primeurs, cette manière de cultiver des légumes hors saison. C'est également lui qui a été capable, le premier, de magnifier la taille des fruitières. Si aujourd'hui on a des fruitiers capables de donner des pommes ou des poires le long des murs à 2 mètres de hauteur, c'est lui, il a vu l'intelligence de se dire, en taillant un fruitier à 2 mètres de hauteur, le fruit en tombant ne va pas s'exploser, on pourra au moins le cueillir sans qu'il s'endommage.
Lacantini, personne ne s'en souvient aujourd'hui. Il est mort pauvre, en plus. Comme quoi, de temps en temps, il vaut peut-être mieux rester égoïste et vivre dans la fortune. André Le Nôtre était d'une pingrerie inouïe. Juste une anecdote sur André Le Nôtre. Je ne suis pas venu ici ce soir pour le déglinguer, hein. Mais quand même. En 1686, il est souffreteux et il est logé chez le marquis de Pontchartrain. Le marquis de Pontchartrain se dit « J'ai la chance d'avoir le plus grand jardinier chez moi, profitons-en pour lui demander quelques conseils. » Il le fait. Le Nôtre va lui facturer ses conseils. C'est quand même, je trouve, assez inconvenant. Alors, il y a un élément, effectivement, pour Lacantini qui va plaire aux gens de la sécurité, c'est que c'est lui qui a bataillé pour l'élévation des murs d'enceinte du potager pour mettre un frein au pillage des récoltes. Donc, effectivement, c'est déjà quelqu'un qui faisait de la sécurité périmétrique avant la lettre. Mais c'est également lui qui a été le premier à se rendre compte que les végétaux, parfois, étaient capables de se défendre seuls des agressions. Et quand il met en place cette taille fruitière créée par lui-même, il est capable d'anticiper les réactions des végétaux face aux agressions. Je vous donne un exemple concret. Vous avez devant vous un arbre comme un abricotier qui, soudainement, a une branche qui meurt complètement. La branche devient sèche. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'abricotier, sachant qu'il était attaqué par un virus, une bactérie ou un champignon, est capable de sectoriser une partie de son individu et de s'en séparer. Je crois que vos ordinateurs ne sont pas encore capables de se séparer d'une partie de leur structure pour sauver l'autre partie. L'abricotier, lui, était capable de le faire, il l'est toujours, et Lacantini l'a compris dans la taille, il tient compte de ce processus. Alors ça, effectivement, quand j'évoquais l'analogie avec le monde du numérique, le monde de la nature, cette construction en réseau, on la retrouve justement dans la capacité à l'occasion d'une agression qui peut être naturelle ou d'une agression qui peut être, j'allais dire, artificielle au sens de la main de l'homme, effectivement, d'avoir une capacité de transmission de l'information entre la plante agressée, en quelque sorte, et le reste de l'écosystème qui, effectivement, bénéficiera de cette information. Comment est-ce qu'on peut illustrer le fait que la nature fonctionne en réseau de manière à alerter la communauté ? En prenant l'exemple d'une plante que nous connaissons tous, le fraisier. Le fraisier, tout le monde sait à quoi il ressemble. C'est un petit arbuste qui donne des fruits que nous apprécions et qui se reproduit par des stolons. Les stolons sont des tiges aériennes qui donnent naissance à un nouveau pied. Là, vous me suivez, je l'espère. Il a été prouvé que quand des limaces s'attaquaient aux jeunes plants, donc aux stolons, le fraisier adulte, le pied mère, était capable de ressentir l'agression et il transformait la structure de sa sève pour la rendre plus appétissante que celle de sa progéniture. En un mot, il fait comprendre à la limace, viens me manger moi, je suis meilleur que ma descendance. Et la limace ne s'y trompe pas, elle va manger le pied mère et permet ainsi au stolon de se développer en toute liberté. La nature a donc été capable par un réseau, le stolon, eh bien de se sauvegarder et de faire face à certaines agressions. Autre exemple encore plus incroyable, qui est celui des coudous. Les coudous, je pense que vous ne savez peut-être pas ce que ce sont. Ce sont des grands mammifères qui vivent en Afrique du Sud et qui se régalent des feuilles des acacias. Depuis des milliers d'années, ils boulottent les acacias mais avec une délectation sans frein. Et puis, il y a tellement d'acacias que les coudous se reproduisent. Ils deviennent nombreux, très nombreux, si nombreux que les acacias sont en danger. Et si rien n'est fait, ils vont disparaître boulottés par les incisives des coudous. Sans aucune intervention humaine, les acacias ont transformé leur sève en une sève toxique, ce qui ne s'était jamais produit. 3000 coudous sont morts dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, la population d'acacias et de coudous s'est à nouveau régulée sans aucune intervention de l'homme. Ce qui est extraordinaire, c'est que les acacias ont donc été capables, face à un danger, de réagir en transformant la structure de leur sève, mieux à communiquer à d'autres acacias qui n'étaient pas du tout grignotés la même information pour qu'eux aussi se transforment. Autre exemple encore tout aussi stupéfiant. Ce que je vous raconte, bien entendu, ce ne sont pas des histoires racontées par deux ou trois jardiniers plaisantins. Je parle d'études sérieuses, vérifiées, véritablement documentées. Il a été constaté en Espagne, il y a quelques années, qu'un incendie de forêt avait gravement endommagé les pins, qui avaient pratiquement tous brûlé, mais que la proportion de cyprès intacts était étonnante. Et ils se sont rendus compte que quand il y a un incendie, l'élévation de la température provoque chez le cyprès une réaction qui va produire une vapeur d'eau autour de lui. La plante absorbe l'eau, vous le savez, il y a de l'eau dans ses tissus. Et bien lorsqu'il y a une température importante, il va en quelque sorte brumiser l'air autour de lui, se protégeant au moins en partie des flammes.
Plus étonnant encore, les autres cyprès à proximité qui, eux, ne sont pas en contact avec les températures, recevaient l'information uniquement par les ondes, en quelque sorte, et étaient capables de se protéger. Donc les plantes sont capables de réagir face à une agression, mieux de communiquer. Et enfin, un dernier exemple, tout récent, la cuscute. Alors la cuscute, ça ne vous dit pas grand-chose. La cuscute, c'est une plante que nous avons tous dans les jardins. Elle n'a pas de feuilles, et parce qu'elle n'a pas besoin de feuilles, elle a besoin des feuilles des autres. C'est qu'une plante, pour se développer, pratique la photosynthèse. Alors, petit cours de botanique rapide. Pour des informaticiens comme vous, ça devrait aller. La plante puise dans la terre grâce aux racines de l'eau, l'eau qui va conduire à l'intérieur de ses tissus les sels minéraux et les oligoéléments trouvés dans la terre. Arrivé au niveau des feuilles, il y a ce que l'on appelle la photosynthèse, et sous l'action du soleil et du gaz carbonique, cette sève qualifiée de brute se transforme en une sève élaborée, assimilable par la plante, donc de la nourriture, qui redescend vers la racine. Et l'eau, qui ne servait qu'à conduire les oligoéléments, est évacuée par les feuilles. Voilà comment fonctionne une plante. Pour la petite anecdote, la plante, là aussi, vous n'y avez peut-être jamais pensé, est capable d'anticiper l'arrivée du froid, car quand il gèle, il ne peut plus y avoir de nourriture, donc la plante va souffrir. Et dans les climats froids, eh bien, il va y avoir la chute des feuilles en automne, qui permet à la plante de se mettre en dormance. Et c'est pour ça que dans les pays chauds, comme à Monaco, quand il ne pleut pas, la végétation reste verte tout au long de l'année. Donc, il y a ce que l'on appelle la photosynthèse. Et la cuscute, donc, en y revenant, a besoin de photosynthèse, mais elle n'a pas de feuilles. Alors que fait-elle? Elle grimpe autour des végétaux, elle se fixe autour d'eux, et les pique avec un petit dard, et se nourrit en fait de la sève qui est transformée. Elle a déjà réduit le problème de l'élaboration. Mais comment fait-elle pour se diriger et trouver une plante capable de l'accueillir? Vous la mettez au milieu du jardin, elle va se diriger directement là où il y a une plante capable de la grimper. Aurait-elle des yeux? Eh bien, ils se sont rendus compte, quand je dis ils, les scientifiques, qu'en fait, les tomates avaient sa préférence. Eh bien, quand vous mettez des pieds de tomates, elles se dirigent automatiquement vers les pieds de tomates. Alors, les chercheurs ont fait des expériences intéressantes. Ils ont pris des tuteurs et ils ont mis du parfum de tomate. Eh bien, la cuscute, elle est directement dessus. Elle a donc du nez, elle est capable de se diriger par l'odeur. Comme quoi, les plantes, vous voyez, sont capables, là encore, de faire des merveilles. Vos ordinateurs, je ne crois pas, n'ont pas encore de nez. Alors, il faudra arrêter les comparaisons blessantes à chaque fois en face de la technique. Justement, en parlant en discutant sur cette problématique, il y a une illustration qui m'a interpellé. C'était la pomme. La pomme, on avait discuté souvent un des sujets qui se posent aux gens qui sont préoccupés par protéger l'information. C'est d'arriver à la classifier, de se dire quelle est celle qui est la plus importante, qui mérite le plus haut niveau de protection, qu'est-ce qui a de la valeur chez moi, qu'est-ce qui est essentiel à protéger, de manière à proportionner le niveau de sécurité. Dans le cas de la pomme, dans une conversation précédente qu'on a eue, j'ai eu un doute, parce que pour moi, dans la pomme, ce qui a de la valeur, en tant que consommateur, c'est la chair. Oui. Et elle dit, mais non, au regard de la nature... Le pommier s'en fiche complètement. La pomme, qui est d'ailleurs le symbole d'une des grandes entreprises de matériel informatique. Ce n'est pas totalement par hasard non plus. Quant à l'informaticien, quand vous êtes confronté professionnellement à un problème, la première question que vous vous posez, c'est pourquoi? Pourquoi y a-t-il telle situation? Eh bien, quand on est jardinier, on doit également se poser la question pourquoi? Et la première question que je me suis posée, pourquoi le pommier produit-il des pommes? Ça peut vous sembler aberrant, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement pour assurer une descendance. Mais pourquoi a-t-il fait de ce fruit un fruit délicieux? Alors maintenant, imaginons que la pomme soit produite naturellement et qu'elle tombe au pied de l'arbre, et les pépins qui sont au milieu, qui eux sont vraiment les éléments indispensables, se mettent à germer sous le pommier. Deux cas de figure. Soit les pépins donnent naissance à de nouveaux fruits, de nouveaux arbres, des arbres jeunes, vigoureux, qui vont rapidement venir étouffer le pied mère et donc le tuer. Soit au contraire, le pied porteur, celui qui a créé la pomme, est suffisamment vigoureux pour empêcher les petites graines de germer, soit en les privant de lumière, soit en les privant d'eau. Dans tous les cas de figure, le pommier a donc produit un fruit pour rien.
Alors qu'a donc fait le pommier pour être sûr que ses graines donnent naissance à des arbres? Il les a fait bons, il les a fait avec de la pulpe. Et le pommier va créer un fruit, la pomme, avec des petits pépins qui sont vraiment les fœtus des descendants à naître. L'actif le plus stratégique, le plus essentiel, c'est le pépin. Et il l'a entouré d'une protection qui ne se contente pas que de produire, que de protéger le pépin du bec des oiseaux, du froid, de l'humidité, du soleil, mais également de nourrir la petite graine pour qu'elle puisse germer. Quand elle germe, l'ensemble de la protection est devenue sucrée, appétissante, juteuse. Elle tombe. L'animal, l'homme, vient immédiatement ramasser le fruit pour le déguster confortablement à 50, 100 mètres ou 200 mètres en laissant là où elle est les pépins qui vont donc donner naissance à des graines à un endroit où il n'y a pas de concurrence entre le pied-mère et l'arbre qui est né. C'est le même système que les cocotiers. On a tous vu des cocotiers et tous les cocotiers du monde entier poussent droit. Tous. Sauf ceux qui sont en bord de mer. Quand ils sont en bord de mer, ils penchent au-dessus de l'eau. Tous. Il n'y a pas d'exception à la règle non plus. Mais pourquoi? Parce que la noix de coco sait que si elle tombe dans l'eau, elle va être transportée sur une île lointaine et qu'elle donnera peut-être naissance à un nouveau plant qui pourra donner, lui encore, naissance à des noix de coco. En France, même à Monaco, vous mettez un arbre en bord de mer, il va pencher toujours du côté de la terre, parce que si la graine tombait dans l'eau, elle est morte. Donc comme quoi les plantes sont capables d'anticiper, de prévoir leur environnement. On a donc parlé de la vue, on a parlé de l'odorat, on peut parler maintenant du contact, car les plantes se développent également par le toucher, avec par exemple le concombre anguleux, ça ne vous dit rien? Non. Alors le concombre anguleux, ça fait penser un peu aux aventures du concombre masqué. C'est ça, qui peut être masqué et anguleux. Oui, et anguleux. Mais notre concombre anguleux, lui, n'est pas du tout masqué. Le concombre anguleux, en fait, c'est le concombre sauvage qui donne naissance à des fruits et qui, lui aussi, a besoin de soleil pour fructifier. Mais le fruit qu'il produit produit un certain poids. Il lui faut donc des branches solides. Comment être sûr que la branche autour de laquelle il s'enroule est capable, eh bien, de le supporter? Eh bien, il va analyser son poids. Et il ne va s'accrocher qu'aux branches qui ont une résistance supérieure à 0,25 grammes. 0,25. En dessous, il ne s'accroche pas. Au-dessus, il s'enroule. Votre doigt à vous ne supportera même pas un gramme. Le concombre angulé est donc capable d'être plus sensible au poids que vous l'êtes vous-même. Donc les plantes sont vraiment étonnantes. Et en fait, je crois que si les informaticiens regardaient davantage les plantes, peut-être trouveraient-ils parfois réponse à quantité de leurs problèmes. Je vous dis ça parce que j'ai participé une fois à un congrès d'architectes. Et l'architecte qui était face à moi me disait « Oui, c'est bien gentil ce que vous dites, mais nous faisons, nous, des choses extraordinaires. » Et j'avais donné l'exemple d'une construction de 3 mètres de diamètre, capable d'avoir les fondations dans l'eau, de monter à 60 mètres de hauteur, d'avoir un panneau d'environ 100 mètres qui résiste à des vents de 140 km/h, d'être totalement équipé de panneaux photovoltaïques, de faire lui-même son propre système d'alimentation, de transformer ses déchets en une nourriture profitable à tous et mieux de purifier l'endroit où il vivait. Ça s'appelle un arbre. Voilà. Eh bien, l'architecte n'a pas encore été capable aujourd'hui de produire cette même merveille. Donc je crois, regardons les plantes, observons-les, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, on a parlé des caractéristiques. Il y en avait une qui m'étonnait, c'est celle qui émet un gaz. Il y a la quantité. Tout à l'heure, on parlait de l'acacia. Je vous donne un autre acacia, toujours à propos, non plus cette fois-ci de coudou, mais à propos de zèbres, de gazelles et de girafes. Nous sommes dans la savane africaine et des troupeaux se déplacent et dès qu'il y a un bosquet d'acacia, ils s'en délectent, vous vous en doutez. Le drame est le suivant, si l'arbre ne réagit pas, eh bien il va être totalement défeuillé, le bas par les gazelles, en hauteur, par les girafes. Donc la nature a tout prévu. Dès que le danger devient imminent, trop important, la plante est capable, mais en quelques temps seulement, de transformer sa structure en une substance toxique. Les feuilles deviennent dangereuses pour les mammifères, pour les herbivores, qui arrêtent donc de les consommer. Mais mieux, par le gaz et du gaz d'éthylène, l'acacia est capable de prévenir à 100 ou 200 mètres de là d'autres bosquets qui, à leur tour, deviennent toxiques avant même d'avoir été grignotés. Les gazelles et les girafes sont donc obligés de continuer leur route, préservant les acacias. Et c'est ainsi que, depuis la nuit des temps, il y a dans certaines régions désertiques des gazelles, des girafes, et des acacias. Encore un autre exemple, tout aussi amusant, avec encore un acacia, il y a une grande diversité d'acacias. La Fontaine aurait pu en écrire une fable. C'est la fourmi et l'éléphant.
Ces acacias produisent des épines avec à la base une petite cavité. Cette cavité permet aux fourmis de venir se protéger des oiseaux, des intempéries. Et en échange de l'hébergement, la fourmi est capable de débarrasser, comment dire, l'acacia de quantité d'insectes et surtout de tenir à distance les éléphants. Car les éléphants adorent manger les feuilles de cet acacia et cet éléphant redoute la fourmi. Elle rentre dans les trompes. Elle les pique. Donc, tant qu'il y a des fourmis dans l'arbuste, il n'y a pas de souci. L'acacia ne vient pas, ne rôde pas. Mais de temps en temps, il y a quand même bien quelques pachylames qui se hasardent. Et des paysans de certaines contrées d'Afrique ont cru bien faire, pour protéger quelques acacias des éléphants, de mettre des barbelés tout autour. Les barbelés, au bout de quelques années, ont fait comprendre à l'acacia que produire des épines n'était plus utile, vu qu'il n'y a plus besoin de fourmis. Les fourmis ont disparu, d'autres insectes sont venus, et il n'y a plus d'acacia. Comme quoi, de temps en temps, il faut prendre du recul, regarder la nature. La nature a mis des millions d'années à être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est capable de finesse, de subtilité absolument incroyable. Il faut apprendre à la regarder. Et quand on a bien compris le fonctionnement d'un végétal, je crois qu'on a compris ce qu'était la vie. Justement, il y a un terme qu'on utilise. J'imagine que la définition varie selon les jardiniers. La notion de mauvaise herbe, c'est quoi une mauvaise herbe? Alors maintenant, il y a des mots qui changent. On ne parle plus de mauvaise herbe, on parle d'adventice. Vous savez, il y a un tas de termes qui changent beaucoup. L'ancienne génération présente dans cette salle, il y a longtemps, parlait de pesticides. Les pesticides, c'était les produits qu'on mettait dans le jardin pour tuer les bestioles, comme les champignons ou les insectes. Pesticides, ça rime avec infanticide, avec homicide. Alors on a changé le terme en phyto... Produits phytosanitaires. Phytosanitaires. Mais on s'y est habitué. Maintenant, vous avez remarqué, on parle de produits phytopharmaceutiques. On en mangerait tous les jours. Donc, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus de mauvaises herbes non plus. On parle simplement de plantes non désirées qu'il convient de supprimer avec sélection, intelligence et parcimonie. Ça veut dire qu'il est souhaitable de supprimer, on prenait l'analogie, est-ce que le jardinier doit tuer? Alors, autrefois, oui, le jardinier tuait tout. Les jardiniers ont créé des massacres inouïs. Si la nature est aujourd'hui telle qu'elle est, on le doit malheureusement en grande partie au métier qui est le mien. Aujourd'hui, le jardinier est redevenu une sentinelle de l'environnement, mais le jardinier a tué les limaces, donc il a tué les oiseaux, il a tué quantité de petites bestioles. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus raisonnable parce que le jardinier a conscience que finalement, le jardin, c'est un équilibre et qu'il faut respecter la vie et qu'il faut respecter justement cette association de petites bestioles, de grosses bestioles, de champignons, de virus et de bactéries. Mais il est vrai qu'à une époque, on a trop voulu produire des plantes soi-disant parfaites, au détriment de la couleur, au détriment de l'odeur, au détriment du goût. Prenons un exemple du bouquet de roses. Quand vous aviez une grand-mère qui avait son rosier au fond du jardin, le simple fait de fermer les yeux et les senteurs, vous faisait rêver pendant, toute votre vie. On s'en souvient encore. Les roses aujourd'hui modernes ne sentent plus rien. Pourquoi ne sentent-elles plus rien? Parce qu'elles savent que l'insecte pollinisateur ne viendra plus, elles sont reproduites mécaniquement. Parce que le parfum d'une fleur, c'est pas pour vous séduire vous, c'est pour séduire l'insecte pollinisateur pour l'attirer. Le fruit, je vous parlais tout à l'heure de la pomme. Quand une pomme a pour mission de donner naissance à des petits pommiers, elle se pare de toutes ses beautés et elle produit des senteurs et des goûts extraordinaires. Le pommier moderne se passe totalement... La pomme n'a plus aucun goût. Donc il faut aujourd'hui être capable de faire un retour en arrière, de reproduire sainement pour que la nature se recale à nouveau et reproduise des merveilles comme autrefois. J'avais une interrogation sur deux termes qu'on associe au monde du jardin et avec justement une sémantique qu'on peut retrouver dans l'entreprise. La différence entre un paysagiste et un jardinier. Et on avait l'impression que quand il arrive dans un jardin, le paysagiste, en fait, n'a pas peur de tout changer, de tout bouleverser, parce qu'il peut même d'ailleurs réaliser des coupes qui vont s'avérer infertiles, alors que souvent le jardinier, s'il est issu du jardin, enfin de la propriété du terrain, enfin du domaine en question, comme il connaît les plantes qui y poussent, il a peut-être plus de réticence à y toucher. Est-ce qu'on a cette répartition, qu'on pourrait voir dans une entreprise où quelqu'un de l'interne aurait du mal parce qu'il connaît tel ou tel, d'avoir ses comportements, alors que quelqu'un venant de l'extérieur aurait moins d'affect et prendrait des décisions sans les lier à une quelconque émotion du lieu ou des gens? Je risque encore de faire du mauvais esprit et je dirais souvent que le paysagiste est au jardinier ce que le visagiste est au coiffeur. Ce sont des mots, des grands mots. André Lenôtre,
on en parlait en préambule. Je sens que c'est un paysagiste. Était jardinier. Ah, il se revendiquait comme étant jardinier, alors qu'il était, lui, paysagiste. Il transformait le paysage. Et l'homme qui, ou la femme qui, aujourd'hui, se nomme paysagiste et qui va simplement installer au fond de votre jardin quelques troènes. En quoi a-t-il transformé le paysage? Donc je crois que ce sont des termes qui ne sont pas très judicieux. Je crois qu'il y a des jardiniers qui créent des jardins, il y a des jardiniers qui entretiennent ces jardins, il y a des jardiniers fleuristes, il y a des jardiniers maraîchers, mais je ne crois pas tellement en cette notion de transformation du paysage. Le paysage aujourd'hui n'a pas besoin, pour être beau, d'être transformé. Je crois même que c'est l'inverse. Les plus beaux paysages sont, à mes yeux, ceux que l'homme n'a pratiquement pas touchés. Et quand l'homme doit créer un nouveau paysage, comme à Monaco, quand on voit ce petit jardin japonais merveilleux, on se dit que, vu le contexte, oui, le jardinier qui a créé ce petit jardin a du talent incontestablement, il n'a pas transformé le paysage. Il a simplement transformé un cube de béton, au moins sur quelques mètres carrés, en un petit paradis. Très bien. En ce qui concerne justement l'actualité récente, il y a une activité qui a permis d'exposer aux yeux du monde un domaine horticole qui est un terrain de football. Un terrain de football, c'est pas une prairie, n'exagérons pas, mais c'est un gazon qui est maltraité, qui est agressé. Et par rapport à ce que vous me disiez concernant la capacité de la nature à se protéger, qu'est-ce qui fait que, comment un bout de pelouse peut envoyer des signaux quand des footballeurs commencent à piétiner, déchirer, agresser le gazon, même quand il a vocation à être le terreau d'une Coupe du Monde de football? Mais employer le terme, vous ne semblez pas le dire, vous semblez avoir peur de parler de gazon stressé. Oui, les plantes souffrent d'un stress. J'en profite d'ailleurs, petit cocorico, pour rappeler que les graines qui ont permis la création des pelouses pour la Coupe du Monde étaient françaises, donc comme quoi nous sommes en France experts en matière de pelouses. Le gazon subit, comme l'arbre, comme l'arbuste, des agressions, et il se doit de résister à ces agressions. Je vais vous donner un exemple concret, avant de parler de la pelouse. Prenons l'exemple d'un tilleul. Vous prenez un tilleul que vous taillez régulièrement tout au long de sa vie. L'espérance de vie de ce tilleul taillé sera d'environ 150 ans. Quand vous ne le taillez pas, 850 ans. Ce qui veut dire en clair que quand vous taillez un végétal, vous réduisez de 7 huitièmes son espérance de vie. Il a été trouvé dans le nord de la Norvège un bosquet de sapins qui n'a jamais vu l'homme. Jamais quelqu'un n'est venu l'arroser, le tailler, quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Les études scientifiques ont démontré que ce bosquet de sapins était âgé de 9500 ans. Je ne mens pas. Les études carbone 14, dendrochronologie atomique, examen des plus grands scientifiques, 9500 ans. Des arbres sont donc capables de vivre 9500 ans, ce qui pour moi d'ailleurs est pratiquement gage d'éternité. Pourquoi ces plantes sont-elles capables de vivre aussi longtemps? Parce qu'elles n'ont pas été stressées. Donc effectivement, un gazon, comment fonctionne-t-il? Là encore, la plante produit des racines pour bien s'ancrer dans la terre. Elle va les envoyer en profondeur pour limiter, bien entendu, ses besoins en eau. Le problème du gazon d'un stade, c'est qu'en profondeur, généralement, il y a du béton. Donc toute la surface, la racine n'occupe que la partie en surface. Ensuite, pour pallier à ce manque d'emprise sous-sol, le gazon va se dépêcher de produire quantité de feuilles régulièrement coupées. Et parce que justement, elle est régulièrement coupée, qu'elle a peur pour son avenir, elle se hâte d'en reproduire davantage. Un gazon magnifique, bien vert, sur un terrain de foot ou sur un terrain de golf, n'est pas heureux, il est stressé. Et c'est parce qu'il est stressé que justement, il est aussi vert, il est aussi dru, il est aussi dense. Alors de là maintenant, à prendre la défense des gazons stressés, c'est peut-être un autre combat, qui sait. Mais en fait, si le gazon était heureux, il serait jeunasse, il serait de 50 cm de haut, et il n'aurait... voilà. Mais le gazon bien vert n'est pas un gazon heureux. Le message est passé. En ce qui concerne votre... Votre intimité, vous avez raconté un rêve. Un rêve, alors un rêve qui est peut-être un cauchemar d'ailleurs, plus parce que vous êtes devant Saint-Pierre. Oh. Et bon, c'est déjà une option, hein, d'être oui. Saint-Pierre. Et vous accueille à l'entrée du paradis. Et effectivement, alors, apparemment, c'est un rêve ou un cauchemar récurrent, en tout cas, qui se présente à vous. Et il s'avère qu'il vous montre
alors je ne sais pas si c'est un Éden, enfin un paradis, son jardin, effectivement. Et il vous fait, alors c'est amusant parce que dans la communauté des gens qui nous écoutent, de la sécurité des systèmes d'information, ils subissent, ou ils partagent une partie des préoccupations de Saint-Pierre, je résume, qui est la pénurie, le manque de ressources. Et donc effectivement, que vous dit Saint-Pierre à la porte de son paradis? Nous sommes heureux de vous accueillir, le jardin avait besoin de vous. Et moi, du coup, je me dis, ça ne sera pas le repos éternel. Je vais être obligé de bosser voilà. Donc je redoute considérablement, parce que j'ai un métier qui est extraordinaire. Je fais, moi aussi, le plus noble des métiers. Mais depuis que je suis jardinier, donc à Versailles, et un peu sur les ondes, je suis un peu harcelé par les demandes de plantes. Dans un cocktail, la dame qui se trouve à ma droite, généralement, me demandera conseil sur ses géraniums. Bien sûr. Quand je suis à France Inter, on me pose des questions sur le géranium. Lorsque je suis sur La Quotidienne tous les vendredis à midi, on me pose des questions sur le géranium. Et je pense qu'en arrivant là-haut, même genre, on va me poser des questions sur le géranium. Je n'ai rien contre le géranium, mais de temps en temps, j'aimerais qu'on m'oublie. Oui. C'est ça. Et surtout pour le repos éternel, vous voyez, j'aimerais être tranquille. Voilà. CJ Alain Baraton, avec une petite épitaphe, je vous avais pourtant bien dit que j'étais malade. Ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'on mette. Voilà, mais... Voilà. En ce qui concerne l'analogie, j'ai vu une littérature académique sur le thème de... ici, ils connaissent, quand on leur dit www, le World Wide Web, on a envisagé la notion de Wood Wide Web, c'est-à-dire le fait que la forêt pouvait, la nature, était justement avec cette logique de filament, les ifs, enfin la logique de... j'ai même vu un chiffre qui me paraissait étonnant, dans une cuillère à café de terre, on pouvait avoir kilomètres, enfin en tout cas des très grandes distances de filaments qui permettent le passage de l'information. Est-ce que, dans l'entretien, dans la vie d'un jardin, comment on fait justement pour ne pas accidentellement ou altérer ce réseau, cette fibre, ce vecteur d'information dans le jardin, de manière à ne pas être une perturbation et pas l'agresser tel que vous l'évoquiez. Écoutez, je vais vous répondre avec des chiffres. Oula. Parce que non, mais il m'arrive parfois de... Voilà. Je vais reprendre votre exemple. Un pied, un seul, de seigle d'hiver peut produire dans à peine 0,05 mètre cube, donc 1 mètre carré sur 5 cm, 1 mètre carré, 5 cm, 623 km de racines. 623 km de racines. Donc effectivement, tout est lié, tout est connecté dans la nature, à petite échelle, mais à la grande échelle. Je vous donne un exemple planétaire. Alors là, je vais essayer d'être précis parce que ça devient un peu compliqué. Les arbres, je vous ai dit tout à l'heure, produisent la photosynthèse, ce qui veut dire que l'eau puisée dans la terre, finalement, ne sert qu'à conduire à l'intérieur du végétal les oligo-éléments. L'eau n'étant qu'un transport, elle est ensuite évacuée dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il pleut sur une forêt qu'il y a des arbres, c'est parce qu'il y a des arbres qu'il pleut sur la forêt. Si demain, vous coupez la forêt d'Amazonie, il ne pleuvra plus en Amazonie. Et si vous plantez des arbres dans le Sahara, il pleuvra dans le Sahara parce que l'eau créée par l'évapotranspiration, par un système compliqué, attire également l'humidité et l'eau. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la déforestation a pour conséquence de limiter la masse végétale de l'Amazonie. Autrefois, les ouragans se dirigeaient vers cette masse d'humidité et les vents violents percutaient les arbres de la forêt amazonienne. La force d'attraction de cette forêt n'est plus suffisante. Les ouragans se dirigent vers le continent américain et ensuite remontent vers les États-Unis. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'ouragans dévastateurs en Floride, en Louisiane, etc. On a donc été capable, en détruisant la végétation à un grand niveau, de transformer une partie de la climatologie. Quand on regarde l'infiniment petit, on se rend compte que les conséquences sont dramatiques. Les hêtres, par exemple des forêts, sont capables de communiquer entre eux. C'est prouvé. Des études ont montré que les racines se touchent et que les arbres sont capables de transmettre des renseignements. Alors déjà que le hêtre souffre du réchauffement climatique, il y a 1000 ans, sa base naturelle de naissance était la base des Pyrénées. Aujourd'hui, c'est le nord de la France. Les hêtres, cette année, ont beaucoup souffert de la chaleur et sont déjà en train de mourir. Oui, donc comme quoi. Eh bien, tous ces arbres qui sont en train de communiquer sont capables de se transmettre du stress. On parlait tout à l'heure de la pelouse qui stresse. Eh bien, la plante est capable de subir un stress. Alors,
concrètement, que signifie un stress chez une plante? Une fragilité. Et la fragilité empêche le végétal de lutter naturellement contre l'agression. Vous prenez un rosier en pleine forme, vous lui mettez des pucerons dessus, il s'en fiche complètement, au contraire, ça l'occupe un petit peu. Quand le puceron, on peut s'ennuyer aussi à force d'être... Planté. Voilà. Quand le rosier est stressé, c'est-à-dire que quand il a eu des informations d'un risque de manque de nourriture, parce qu'il est stressé de par un piétinement trop important à la base de ses racines, parce qu'il est stressé de par le froid trop intense, eh bien la plante n'est plus en mesure de réagir et elle s'affaiblit. Parce qu'elle s'affaiblit, elle attire les bestioles sur elle, ne peut pas réagir contre, et les bestioles vont complètement anéantir. Car le stress se traduit par une transformation de la qualité nutritive de la sève. C'est la raison pour laquelle, vous faire plaisir, c'est pour ça que les produits dits phytosanitaires, maintenant, sont appelés des systémiques. Parce que les chercheurs ont parfaitement compris que le produit dans la sève était beaucoup plus efficace qu'à l'extérieur. Le produit systémique, en fait, c'est mettre un insecticide de manière à ce que la plante absorbe le produit et rende ses feuilles impropres à la consommation. Quand vous avez mis des systémiques anti-limaces, la limace ne mange plus la salade parce qu'elle ne veut pas mourir. Donc le produit, il est pour vous, car il est dans la feuille, il n'est plus à l'extérieur. Donc les produits aujourd'hui permettent à la plante de ne plus stresser et d'offrir aux consommateurs des produits sains, du moins sains, mais totalement pollués à l'intérieur. Bien. Sur la... Dans la contrainte qui est celle quand on est... Alors là, je reviens à le nôtre quand même, sur la partie de construction. C'est vrai que ce qui est frappant à Versailles, c'est l'eau. Présence de l'eau. Alors en plus, si on regarde la carte, la géographie, il y a peu de lacs à côté. Donc manifestement, ça ne vient pas de là. J'ai cru comprendre qu'il y avait des marécages ou des marais à l'époque, historiquement. Comment on fait quand le roi, accessoirement soleil, dit « je veux de l'eau » ? Alors déjà... Est-ce que j'ai le temps de raconter la véritable raison pour laquelle Louis XIV a choisi Versailles ? Ah, c'est non, mais c'est l'occasion de le faire. Je le dis parce que souvent, on s'est trop laissé, emporter, grisé par les livres d'histoire qui nous racontent l'histoire suivante, elle est simple. Louis XIV découvre en 1662, je crois, les merveilles de Vaux-le-Vicomte. Il est abasourdi de tant de beauté, de tant de richesse. Il n'y a aucun doute, son surintendant des finances, Fouquet, a volé dans la caisse. Nous connaissons la suite. Fouquet sera arrêté par D'Artagnan, qui a donc bien existé, condamné, et il mourra d'ailleurs non loin d'ici, à Pignerol, bien des années plus tard. Et pour montrer aux courtisans de l'époque qu'il a le pouvoir absolument de diriger la nature, il choisit le lieu où il était enfant, le château de son père, Louis XIII. Il va donc ordonner l'agrandissement de ce petit château de cartes à Versailles. Déjà, Louis XIII, est-ce vraiment Louis XIII son papa? J'ai un doute. Oui. On ne voudrait pas trancher ici, mais en ce qui concerne... Est-ce qu'il n'y a pas en plus déraciner des arbres de Vaux-le-Vicomte, non, pour apporter à Versailles? Alors, que s'est-il passé véritablement? Pourquoi Louis XIV a donc choisi Versailles? Ça mérite quand même d'aller un peu dans l'adolescence du roi. Là, je vais devenir un petit peu coquin, j'en conviens, mais c'est la grande histoire. Louis XIV est adolescent et toutes les jeunes femmes de la cour rêvent d'être la première à faire du roi un homme. C'est un peu, j'allais dire, humain. Et la maman, donc Anne d'Autriche, est un peu effrayée de voir le comportement des femmes dans les galeries du Louvre qui n'hésitent pas à prendre des postures douteuses en présence de son fils. Pour éviter qu'il ne tombe dans les bras d'une jeune fille pas très respectable, la maman recrute Catherine Bélier, la baronne de Beauvais. Elle a pour mission de veiller sur la pureté du roi. Noble tâche. Catherine Bélier est âgée de 43 ans. Elle a le visage piqueté par la vérole, elle est borgne et elle boitille légèrement. Elle s'exprime parfois un peu grossièrement, d'où son surnom de Cato la borgnesse. Et contre toute attente, c'est Cato la borgnesse qui déniaise le roi. C'est une sidération inouïe. Anne d'Autriche ne quitte pas sa chambre pendant 2 ou 3 jours. Elle est en larmes, bien entendu. La vie reprend fort heureusement son cours. Et quelques temps plus tard, Louis XIV enfin est marié. La maman est rassurée. Oui, il est marié peut-être, mais il continue d'aller voir des filles un petit peu particulières, et en particulier Henriette d'Angleterre. Henriette étant l'épouse de monsieur, frère du roi. Et Anne d'Autriche se dit qu'après l'affaire de Cato la borgnesse, si le clergé apprend qu'il s'en prend maintenant à sa belle-sœur, c'en est terminé. À l'époque, Louis XIV n'a pas le pouvoir qu'il aura par la suite.
Alors que fait-elle? Eh bien, elle recrute un paravent. Le paravent, c'est le nom qui est donné à une jeune femme pour venir détourner l'attention. On va créer un couple d'artifice, mais au moins, le scandale sera évité. Et ce joli paravent répond au nom de Madame de Lavallière, Mademoiselle de Lavallière. Et quand elle arrive à la cour, elle est supposée jouer les amoureuses. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'elle allait tomber amoureuse de Louis XIV et que Louis XIV lui-même allait en tomber follement amoureux. Quand on les voit ensemble, main dans la main, se promener aux Tuileries, tout le monde dit « il joue bien la comédie ». Mais il ne la joue pas, il s'aime vraiment, mais on ne le sait pas. 1662, Volvicomte, on y retourne. Le roi arrive non pas avec son épouse qui est sur le point d'accoucher, mais accompagné de Mademoiselle de Lavallière. Et Fouquet tombe sous le charme de cette petite jeune femme, blonde, un petit peu boitillante elle aussi. Et que fait-il? Il lui fait la cour. Eh oui, persuadée qu'en fait, elle n'est qu'un paravent. Elle est quand même, elle, offusquée. Comment cet homme ose-t-il vouloir séduire la fiancée du roi? Et à qui se confie-t-elle? À Colbert. Il y avait entre Colbert et Fouquet une guerre incroyable qui avait même fait amuser, qui avait amusé La Fontaine, qui avait écrit la fable la cigale et la fourmi. La cigale étant bien sûr Colbert et la fourmi étant Fouquet. Quand Colbert apprend la trahison de Fouquet, que fait-il? Il en parle au roi. C'est la raison pour laquelle le roi est reparti le lendemain fou de rage, qu'il a fait condamner Fouquet, n'acceptant pas que le seul bien, si vous me pardonnez l'expression, qu'il possède, à savoir cette jeune femme, allait lui être volé par un homme à qui possède déjà pratiquement tout. Voilà pourquoi Versailles est né, car le lendemain, Louis XIV emmène Mademoiselle de Lavallière, là où il était heureux quand il venait chasser sur les terres de son père, à Versailles, et qu'il va ordonner la construction de ce château. Mais il y a un mais, il était, vous l'avez souligné, il n'y a pas d'eau. Versailles est, je crois, le seul château d'agrément construit loin de tout point d'eau. Il y avait les châteaux de la Loire, le Louvre est en bordure de la Seine. Il n'y a rien, il y a juste un petit rue ridicule. Pour la petite anecdote, vous ne le savez peut-être pas, mais au fond du parc, il y a un pont en pierre qui passe au-dessus de ce rue ridicule. Louis XIV voulait son pont. Oui, c'est quand même assez amusant. Et il va demander aux plus grands architectes de l'époque, aux plus grands urbanistes, aux plus grands fontainiers, je pense aux Francines, de capter toutes les eaux avoisinantes pour les diriger sur Versailles et permettre aux grandes eaux de fonctionner comme aujourd'hui. Sauf que l'eau ne manquera toujours du temps des rois. Et ce que l'on sait trop peu, c'est que quand le roi se promène dans les jardins pour voir les grandes eaux, il est toujours précédé d'un fontainier qui siffle. Quand le roi rentre dans le bosquet, on ouvre l'eau. Quand il sort, on la ferme. Aujourd'hui, l'eau arrive en grosse quantité et les fontaines fonctionnent simultanément sur l'ensemble du domaine. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand le roi dit « je veux de l'eau », à ce moment-là, les techniciens, les gens de cour se disent « bon, il faut obtempérer, il faut trouver une solution » et on a envisagé de détourner la Loire. C'est quand même impressionnant. Après, bon, on voit qu'apparemment, ça a été un peu compliqué. Il y a eu trois projets. Le premier qui a fonctionné, la machine de Marly, une machine capable de prélever l'eau dans la Seine et de la véhiculer sur 162 mètres de dénivelé, c'est considérable, jusqu'à Versailles. Le drame, c'est que c'était des systèmes de roues en bois qui faisaient un bruit épouvantable, qui était extrêmement coûteux. Et malheureusement, la machine de Marly n'a fonctionné que quelques temps. Il y a eu le projet ensuite de créer un canal pour l'Eure. 38 000 soldats vont creuser jour et nuit un canal pour alimenter, là encore, le grand canal et les fontaines en eau. 18 000 vont mourir. C'était considérable. Et ensuite, à cause de maladies, notamment. De maladies, virus, des conditions de travail. Enfin, c'était épouvantable. Et puis ensuite, ce projet de relier la Loire au grand canal. Je trouve ça... Moi, j'aurais adoré, je serais venu en bateau, par exemple. Ça aurait été magnifique. Et ça a été abandonné par Charles Perrault. Parce que Charles Perrault était l'homme qui a créé les contes qui vous ont permis de vous endormir enfant quand vous étiez, comment dire, turbulent, mais il était aussi financier du roi. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'époque Louis XIVe. Vous savez, on parle de plantes, on parle d'informatique, tout est lié dans la vie finalement. Parce que même Charles Perrault, il a raconté des histoires extraordinaires, mais il a évité qu'il y ait cette gabegie inouïe, ces dépenses somptueuses qui auraient fait effectivement permis la création d'un port qui aurait relié Versailles à tous les ports de Méditerranée par le creusement de ce canal. Alors, ce qui est intéressant en évoquant la machine de Marly, c'est que c'est le mode opératoire. Parce que comment fait le roi? Il dit, en tout cas son entourage, il faut trouver une solution technique. Et donc il y a un appel à la population, un peu en termes d'innovation, la boîte à idées, dire si quelqu'un a une idée, si quelqu'un trouve un moyen technique, et allant dans les villages de France pour justement dire, pensez à une idée. Et c'est
par cet appel à l'innovation, ce qu'on fait maintenant aujourd'hui quand on cherche des idées, des éléments de rupture, qu'effectivement on a pu trouver cette machinerie. Et il s'appelle Renka Sualem. Cet homme arrive, il propose un système de godet, de poulies, de roues absolument incroyable, et ça fonctionne. Le drame, c'est le prix, le drame, c'est la main-d'œuvre, mais tout fonctionne. Mais Versailles, depuis la création du château, encore jusqu'à aujourd'hui, est le lieu de la technologie par excellence. Louis XIV ne s'est pas contenté d'agrandir le château de Louis XIII et d'y mettre quelques arbres et quelques tableaux. Non, c'est un lieu, d'abord, sous Louis XV, de botanique. La botanique est, sous Louis XV, ce que l'informatique est aujourd'hui, donc une science vraiment reconnue, mais réellement, je parle très sérieusement, sous Louis XVI, ce seront plutôt les arts premiers, ce seront la serrurerie, ce sera l'habileté manuelle qui sera vraiment, comment dire, à la pointe de l'activité principale du roi. Aujourd'hui, l'informatique est notre première préoccupation, parce que l'informatique nous permet de gérer les flux et quantité d'autres problèmes ou non-problèmes. Mais il est vrai que Versailles a toujours, en tout temps, été précurseur en matière de créativité, en matière d'appel d'offres, en matière d'appel au génie, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on parlait des technologies. Comment est-ce qu'on peut envoyer? Parce qu'on a vu que la nature était bourrée de capteurs, d'éléments qui allaient analyser le contexte, l'environnement, et de manière à susciter, alors j'allais dire presque des ripostes, c'est-à-dire des éléments de réaction, de réponse, de manière à prendre en compte l'environnement. Comment on fait dans un monde où, par exemple, on parlait de la photosynthèse, s'il y a des lampadaires, qui ont donc des horaires, effectivement, a priori, fonctionnent la nuit, comment est-ce que la nature, est-ce qu'elle peut être leurrée, trompée dans son fonctionnement par rapport à ce qu'elle perçoit de ce que peut être le jour, la nuit? Oui, parce que la nature s'adapte, mais il lui faut du temps. Prenons un exemple d'adaptation qui a pris beaucoup de temps, le cactus. On en voit beaucoup à Monaco. Le cactus est une plante qui est toujours verte. Elle est verte parce que la photosynthèse s'exerce au niveau du tronc. Et vous remarquerez que les cactus n'ont pas de feuilles. Ils n'ont pas de feuilles parce que vu que la feuille est l'élément moteur pour les besoins en eau, en se limitant en eau, on réduit les feuilles. Le cactus a réglé le problème, il a transformé les feuilles en épines. Les épines sont des feuilles. Mais observez bien une épine, elle a trois fonctions principales. La première, remplacer la feuille. La seconde, protéger, bien entendu, de l'appétit des animaux, eh bien, la plante pour ne pas qu'elle soit mangée pour sa contenance en eau, mais également, regardez bien les épines, elles sont jamais mises n'importe comment. Si vous êtes un petit peu mécanicien, que vous regardez le moteur d'une voiture, il y a un radiateur, il y a des ailettes, c'est une manière pour le moteur de se refroidir plus rapidement. Et bien sûr, un caqueté, les épines sont mises de manière à ce que le vent puisse tourbillonner autour du végétal et accélérer son refroidissement. Donc la plante a été capable eh bien, de s'adapter, mais en plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être même davantage. Il y a les figues de Barbarie qui, elles, se sont adaptées beaucoup plus rapidement. Les figuiers de Barbarie produisent comme des grosses raquettes et des épines. Vous les mettez dans une cave, bien vous verrez qu'au bout de 15 jours, vous arrosez, des feuilles apparaissent. Simplement, elles ne pourront pas vivre longtemps car il n'y a pas de lumière. Mais en l'absence de soleil, le figuier de Barbarie redevient spontanément ce qu'il était avant les grandes températures. Mais aujourd'hui, la lumière nocturne dans les villes perturbe le végétal, le réchauffement climatique perturbe le végétal, le stress, on y revient, et quand une plante est stressée, elle ne peut pas résister contre les maladies, la saisie affecte les populations de frênes, l'anthracnose affecte le platane, sans parler du chancre coloré. Vous avez maintenant également les maladies comme sur le marronnier, je ne vous parlerai pas de l'anthracnose sur l'orme. En un mot, quantité de plantes aujourd'hui souffrent gravement d'un problème climatique ou de désordre lié justement à des transformations qui font que la plante n'a pas eu le temps de s'adapter rapidement. Il y a un problème aujourd'hui qui affecte les buis. C'est lié à un insecte qu'on appelle la pyrale. Que se passe-t-il? Cet insecte, la pyrale, arrive de Chine. Elle dévore de manière incroyable les feuilles des buis. La plante ne peut plus produire suffisamment de feuilles pour vivre. Elle développe un stress, une maladie, un champignon arrive et va finir de tuer le végétal. Quel est le problème? C'est que l'insecte n'a pas de prédateur car les oiseaux qui vivent sous un climat particulier ne mangent jamais un insecte qui n'est pas identifié. Ils ne connaissent pas. Voilà.
tant que la pyrale du Buis ne sera pas connue ou appréciée par les oiseaux, la maladie va prospérer. On aura beau trouver tous les produits du monde, ce qu'il faut, c'est laisser tout simplement du temps au temps. Et donc, effectivement, les éclairages de nuit, l'élévation des températures transforment durablement la nature, le paysage, le jardin, et risquent malheureusement à court terme d'avoir des conséquences qu'on ne soupçonne peut-être même pas. Justement, dans la nature, en parlant d'intervention de l'homme, je pensais à ces souches qui sont coupées mécaniquement par un bûcheron, par un jardinier. Et ce qu'on constate, c'est que l'écosystème les prend en charge. C'est-à-dire qu'on a l'illusion d'avoir tué un arbre, en quelque sorte, en le coupant, et on voit que la communauté prend soin de cette souche. Je vais vous donner un chiffre. Quand vous coupez un arbre, un chêne centenaire, on estime que la souche continue de vivre directement ou indirectement environ un siècle. C'est-à-dire que pendant 100 ans, effectivement, il y a une vie sous terre qui s'active autour de cette souche. C'est un semblant de vie, bien entendu. L'arbre, lui, ne vit plus, mais le bois qui constitue la souche continue d'évoluer et de permettre à quantité d'éléments périphériques d'avoir une vie. Donc c'est un peu le miracle du bois, car il est capable de continuer à vivre même quand l'arbre qui est créateur est mort. Merci Alain pour cet échange. Alors effectivement, on voit qu'il y a plein d'analogies, il y a plein de pistes qui s'ouvrent et que c'est un territoire de découverte, un territoire d'apprentissage nourri par les découvertes qu'on peut faire à partir de constatations qui peuvent nous paraître évidentes mais dont on ne comprend pas forcément toutes les subtilités. Et donc merci pour cette introduction en quelque sorte, et on souhaite vous avoir donné l'occasion de continuer à creuser. Et donc ça pourra tout à fait se prolonger par la lecture de ce dictionnaire amoureux des jardins que vous aurez le plaisir de lire en quittant cette salle. Et je voulais vous poser la question, si, alors je vais mettre une interrogation sur une phrase de Louis XIV, c'est une satisfaction, un privilège que je m'accorde, où effectivement Louis XIV, le nôtre disant à Louis XIV, il faut avouer que votre majesté traite bien son maçon et son jardinier. Alors je ne sais pas si c'est dans la même conversation, mais Louis XIV lui aurait dit « Vous êtes un homme heureux, le nôtre ». Alain Baraton, est-ce que vous êtes un homme heureux ? Alors, juste pour répondre déjà, il faut savoir que cette phrase a été prononcée lorsque le nôtre est revenu à Versailles après être allé saluer le pape. Et d'ailleurs, il embrasse le pape, Louis XIV, jaloux, dit à tout le monde « Moi aussi, j'embrasse le nôtre ». Et il s'avère qu'en l'absence de le nôtre, l'architecte Mansart avait transformé un jardin. Il avait rasé une partie du jardin de Lenôtre pour y créer la colonnade. Et depuis ce jour-là, effectivement, Lenôtre, en présence du roi, n'appelait plus Mansart, non plus l'architecte, mais votre maçon. Vous imaginez la tête de l'homme, votre maçon. Il faut également savoir que André Lenôtre était la seule personne devant laquelle Louis XIV s'inclinait. Il était également la seule personne devant laquelle Louis XIV ôtait son chapeau. Alors je ne sais pas si André Lenôtre était un homme heureux. Il a eu beaucoup de déboires, il a perdu tous ses enfants en bas âge. Cet homme n'a pas pu faire preuve de la liberté qu'il aurait certainement aimé avoir dans le cadre de l'évolution de son métier. Je ne sais pas si, comme le disait si joliment Éric Orsenna, André Lenôtre était un homme heureux, mais moi par contre, je vais reprendre une phrase, j'étais très aimé avec Jean-Pierre Coff, je suis si heureux que ça en devient même indécent. Merci à la barrage.